Dieu, notre Père, nous te remercions et nous te rendons grâce, Seigneur. Car, Seigneur, les fenêtres du ciel sont ouvertes. C'est toi qui appelles Jean à monter. Tu as dit à Jean, monte ici. Je vais te montrer le futur de l'Église. Jean, monte ici. Seigneur, merci pour cet appel, Seigneur, de cette année 2020. Nous ne voulons plus rester en bas, Seigneur. Nous voulons monter, Seigneur, dans les sphères où tout est possible. Seigneur, merci pour ta parole de ce matin. Et merci aussi pour ce que tu as prévu pour nous cet après-midi. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Pendant que nous sommes debout, je vais parler sur toujours ce petit message, ce petit enseignement sur le berger et la bergerie. Troisième partie de berger et la bergerie. Nous allons lire dans 1 Samuel 17 et vous allez vous asseoir. Verset 34 au verset 37. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Eh bien, Père, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Il me reste juste, restons debout, il me restait juste un verset. Et David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Que Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. Je voudrais remercier tous les ministres et je vois frère Alexis, frère Grégoire ici, que le Seigneur les bénisse et aussi le pasteur Kayumbi. Amen. Et nous avons été vraiment bien bénis ce matin. Amen. Par ce message et nous remercions notre pasteur ici, le pasteur Kayumbi et aussi maman Ruth. Son épouse aussi déjà le fait qu'elle nous laisse, elle laisse que le pasteur vienne ici et cette fois-ci aussi elle est venue, que Dieu soit béni. Remercions le Seigneur pour cela. Amen. Et donc ce petit enseignement ici, le berger et la bergerie. J'ai voulu partir de ça tout doucement, pour que vous puissiez bien saisir c'est quoi un berger et c'est quoi la bergerie. Quel est le rôle du berger? Quel est le rôle? Qu'est-ce qu'un berger? Et c'est quoi une bergerie? Et j'ai vu le pasteur, il a touché plusieurs points ce matin en parlant de l'Église. Voyez, l'église, on ne va pas dans une église parce que cette église est à côté de ta maison. On va dans une église par révélation. Amen. Le choix d'une église. Fabana, dans le message, le choix d'une épouse, il dit, vous choisissez votre église et vous amenez vos enfants dans cette église-là. L'église ne sauve personne, mais l'église vous garde sauvé. Amen. Donc, le choix d'une église, c'est très important. Frère Bonhomme, dans ce message-là, il dit, si je choisissais une église, si je veux choisir une église, je choisirais une église où la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Et une église où l'enseignement est correct. Amen. Parce que vous devez savoir que votre vie ne sera pas au-delà de la doctrine de votre église. Amen.
Que Dieu soit béni. La doctrine, c'est l'enseignement. Amen. Et on choisit aussi son pasteur. Amen. Parce que de la même manière qu'on fait le choix de son épouse, le choix de son mari, on fait aussi le choix de son pasteur. Et tout cela, c'est par révélation.